de grandes interrogations, questions sérieuses, interrogations qui méritent réflexion et interrogations, pour reprendre une des expressions de Marie, qui nous convient à entrer en colloque. Je suis heureux, en compagnie de mes collègues co-responsables de l'organisation de l'événement, Thérèse Nadeau-Lacour et Philippe roy et aussi en lien avec les autres membres du comité scientifique, Dominique Deslandes qui va se joindre à nous, Herman Giger qui malheureusement se retrouve aujourd'hui en croisière sur la Méditerranée, et euh, Rita Gagné qui est membre aussi du comité scientifique, il nous fait plaisir et nous sommes heureux de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à ce colloque qui a pour thème Marie Guillard de l'incarnation singularité et universalité d'une femme de cœur et de raison. Vous êtes venus de France, d'Italie, des États-Unis et du Québec pour participer ensemble à cette rencontre qui veut souligner en même temps la 25e année d'existence du centre d'études Marie de l'Incarnation. On ne peut s'empêcher à cette occasion de nous remémorer les démarches faites à l'époque par sœur Michel Leblanc et sœur Gabrielle Noël, qui, avec l'appui du Conseil provincial de la province de Québec de l'Union canadienne des Ursulines, sont venus un jour, ces deux grandes femmes, sœur Michel et sœur Gabrielle, sont venus frapper à la porte du doyen. De l'époque, René-Michel Roberge, pour lui soumettre le projet de réaliser une entente qui lierait les Ursulines de Québec et l'Université Laval, en vue de mettre sur pied un centre de recherche universitaire centré sur la vie, l'œuvre, le rayonnement de Marie de l'Incarnation, sur sa singularité et son universalité. Et elles insistaient, les religieuses, pour dire on veut un centre d'études. On ne veut pas un centre de spiritualité. On a déjà le centre Marie de l'Incarnation qui un jour sera pris en main par charles Monroe qui va bien aller. Mais on voudrait aussi un centre d'études, de recherche. On a tenu ici, dans ces mêmes lieux, notre première rencontre de recherche les 6 et 7 avril 1995. Et le thème que nous avions retenu à l'époque, c'était... Regard pluriel sur Marie de l'Incarnation. À vrai dire, plusieurs des personnes qui étaient là, dont moi en premier, nous venions pour connaître les regards parce que nous n'y connaissions, à, à vrai dire, pas grand-chose. Mais on avait quelques spécialistes qui, qui ont pu venir, dont Dominique Delane, Guy-Marie Houry, euh, et d'autres, euh, qui, qui ont participé à ces rencontres. Que d'eau et de glace sont passées sous les ponts depuis. Et au fil des années, nous avons organisé petit à petit une centaine de séminaires de lecture, trois grands colloques internationaux. Nous avons participé à des colloques et à des journées d'études et à Tours, et à Solèmes, et à Paris, et à Rome, et à Fribourg en Suisse. Nous avons eu l'occasion de publier des ouvrages et des articles dans des revues, des dictionnaires dans certaines grandes encyclopédies. Et nous avons aussi été appelés un jour un rôle de première main dans la rédaction de la position qui a été publiée au moment de la canonisation de Marie de l'Incarnation en 2014. Tout ceci ne manifeste pas tant, je dirais, l'œuvre et l'emploi le, des, des ouvriers qui ont travaillé à ça, mais nous manifeste... Surtout comment Marie de l'Incarnation, non seulement dans les milieux religieux, mais dans les lieux académiques et dans le monde en général, suscite de l'intérêt. Elle attire, elle est fascinante. Et c'est cette fascination qui nous attire ici aujourd'hui, beaucoup plus que notre compétence. Au fil des années, le seul fait d'avoir pris le temps de fréquenter et de nous laisser fréquenter par Marie de l'Incarnation, nous a permis petit à petit, si on peut dire, de l'apprivoiser davantage, de la connaître mieux, et à travers elle, de nous connaître nous-mêmes un peu plus, à divers niveaux de notre être au monde. Au fil de ces années, nous avons expérimenté de manière imprévue, de rencontre à rencontre, Combien la singularité de cette femme du début du XVIIe siècle, qui a vécu pratiquement tous les états de vie et assumé tant de responsabilités, comment cette femme pouvait rejoindre et interpeller encore aujourd'hui notre monde en quête de sens, de bonheur, d'autonomie, de réalisation de soi. Et c'est cette conviction qui nous a guidés. Pour articuler la problématique de ce colloque. Je laisse la parole à Thérèse. Merci Raymond. Merci à vous d'être là. Alors, le, comme Raymond le rappelait, le SEMI fête ses 25 ans. Jubilé, euh, noce d'argent, jubilé d'une rencontre entre une université, lieu du savoir et de l'exercice de la raison, et une communauté de consacrés, héritière d'une femme de cœur. Dans le fond, dès les origines, la raison et le cœur étaient unis dans cette entreprise. Lorsqu'on fréquente le sémi, ces séminaires et ses colloques, lorsqu'on apprend à écouter, commenter, déguster les pages de Marie de l'Incarnation, on s'aperçoit assez rapidement qu'une chose est de décrire, d'analyser ou de commenter des textes qui racontent des pensées ou des œuvres, autre chose est de rejoindre Marie dans ce qui rend son agir signifiant, non seulement pour ses correspondants, non seulement pour son entourage, non seulement pour son époque, mais aussi pour nous aujourd'hui qui découvrons son œuvre, sa vie, sa manière d'être. Euh, chaque grand ou petit colloque que rappelait Raymond, euh, qui furent organisés par le CEMI, parce qu'il y avait des petits colloques aussi annuels, euh, qui duraient une journée complète, donc, euh, 25 ans, vous voyez, 25 colloques. Bien. Donc, chaque grand ou petit colloque organisé par le SEMI pointait directement ou indirectement cette ambivalence. Et j'essaie de la préciser. Singu... D'une part, la singularité radicale, c'est-à-dire qui va aux racines, la, synduca... la singularité radicale d'une existence unique portée par des récits autobiographiques. Et d'autre part, une universalité mystérieuse dont sont habités ces récits, puisqu'ils nous rejoignent, je dis bien nous rejoignent, pas seulement comme un artefact du passé, objet de commémoration ou de connaissance archéologique ou historique, mais comme un message qui nous touche dans notre réalité d'hommes et de femmes du troisième millénaire. Je crois que d'une certaine manière, c'est le paradoxe euh, du genre autobiographique chez les mystiques. Euh, Paradoxe de l'autobiographie d'un Augustin qui inaugure le genre, ou plus, plus près de Marie Guyard, paradoxe de l'autobiographie de Thérèse d'Avila, ou de Montaigne, bien que Montaigne ne soit pas un mystique. À même la singularité de ces chefs-d'œuvre qui n'ont pas vocation de rationaliser la vie, surgit une universalité étonnante. Thérèse d'Avila, qui ne parle qu'à partir de son expérience, dit-elle, éminemment personnelle, ne devient-elle pas la mère des spirituels euh, la, la première fois que j'étais à la Rome, j'étais encore euh, gamine, mais euh, enfin gamine, j'avais 15 ans, euh, mais, euh, mais Thérèse d'Avila était mes premières amours, et en arrivant dans Saint-Pierre-de-Rome, que n'ai-je été étonnée de voir une des premières statues dans l'allée centrale de Thérèse avec Mère des spirituels. L'universalité de cette femme dont moi j'étais surtout séduite par euh, la singularité de son expérience et aussi de sa force d'âme un petit peu atypique. C'est ce qui séduit à 15 ans, n'est-ce pas bon. Alors, euh, je, je disais pour, par rapport à Thérèse, ne, qui parle qu'à partir de son expérience euh, éminemment personnelle et qui devient la mère des spirituels, singularité, universalité. Montaigne n'affirme-t-il pas à la fois l'indicible d'une amitié unique et l'universel humain inscrit à même cette singularité Vous savez bien, à ceux qui lui demandent les ra des raisons de l'amitié profonde qui le lie à la Boétie, on connaît sa réponse, hein, parce que c'était lui, parce que c'était moi, drôle de parce que, quand même, sur le plan rationnel parce que c'était lui, parce que c'était moi, et le même Montaigne qui découvre et enseigne que chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition. Dans cette phrase même, vous avez, euh, vous avez le choc de la singularité et de l'universalité, chaque homme porte en lui, en lui la forme entière de l'humaine condition. À considérer donc les origines du sujet de la modernité, nous venons d'en évoquer quelques-unes dans la Renaissance, mais à considérer ses origines, le sujet de la modernité n'avait pas vocation à devenir l'individu insulaire et nombriliste, veuf ou orphelin de l'autre. Pourtant, ce fut son destin, nous en sommes là. Pourquoi J'ai mis une hypothèse. C'est peut-être que du corps à corps entre le cœur et la raison, la raison technoscientifique, le sujet post-cartésien a peu à peu perdu cœur, engloutissant la singularité dans la froide universalité de cette raison technoscientifique, ou pire encore, en diluant le cœur dans les affres d'une affectivité sans intelligence. On peut dire que le laminoir de cette rationalité autosuffisante que nous connaissons aujourd'hui, sans corps ni cœur, sans corps non plus. Mais avec ses pompes et ses œuvres, son efficacité et son efficience, ce laminoir de rationalité est passé par là. Et aujourd'hui, ce laminoir a raison de la raison elle-même. Et si Marie de l'Incarnation, plus que Montaigne qui ne pouvait pas aller jusque-là, ou qui ne voulait pas aller jusque-là. Et si Marie de l'Incarnation nous délivrait d'une dérive dont elle aurait par anticipation découvert très existentiellement le seul antidote Comment D'abord, certainement, par l'exceptionnel équilibre et à la fois dynamisme, l'admirable cohérence d'une existence où corps, raison et cœur, Trouve chacun sa dignité et sa fécondité selon son ordre propre. Il suffit d'écouter Marie parlant des soins maternels prodigués avec patience et sans dégoût au corps et à l'âme des petites sauvagesses qui lui sont confiées, dans des termes extrêmement réalistes. Ou encore, de l'affirmation sans embâge selon laquelle la raison, dit-elle, est une nécessité pour traiter des affaires temporelles. Mais une, un, une, une affirmation tout aussi forte, non moins affirmative, lorsqu'il s'agit de revendiquer les droits du cœur, au sens biblique du mot, les droits de son centre, de sa vie intérieure. Et cela semble si naturel. Chez elle, sous sa plume comme dans sa vie. Le secret, car là aussi, elle aurait un secret. Peut-être est-ce le même secret, j'ose cela, ça va vous paraître peut-être un peu étonnant, peut-être est-ce le même secret que celui de Sophocle. Mais d'un Sophocle inversé. Je précise. De même que Sophocle avait sauvé le théâtre et inventé l'humanisme grec, Comment En introduisant un troisième personnage, l'homme, dans les combats entre les dieux, auxquels le théâtre d'Echille se réduisait. Le théâtre d'Échille se réduisait à un combat entre les dieux. Et Sophocle a cette idée géniale d'introduire entre les dieux l'homme. Et il sauve le théâtre. Et il met au monde l'humanisme grec euh, dont nous sommes héritiers. De même, au début de la modernité, Peut-être Marie, Marie de l'incarnation, épargnerait à l'homme moderne une mort pourtant annoncée en accueillant très tôt dans sa vie, entre sa sensibilité et son intelligence vive, qui sont quelque part nos deux dieux internes, entre sa sensibilité et son intelligence vive, ces deux, ces deux personnages qui se disputent souvent le contrôle de notre identité. Marie introduit un troisième personnage, ou plutôt une troisième personne. Et quelle personne Dieu lui-même dans le Verbe incarné. Mais pas un Dieu conceptuel, mais un Dieu rencontré, recherché, aimé, le seul universel concret en définitive. Le moindre événement de la vie de cette femme porte dans le récit qu'elle en fait cette dynamique étonnante. Cette triade féconde, sensibilité, intelligence vive, cœur habité par Dieu. Pour ne citer qu'un exemple bien connu, et que vous connaissez tous, amis de Marie, après l'incendie du monastère, si elle avait cédé à la violence des émotions, sensibilité, ou si la raison lui avait imposé une étude de faisabilité pour décider, s'il fallait ou non partir ou rester. Bref, si la raison euh, avait, avait primé dans sa vie, si elle avait été soumise aussi aux tensions dualistes de l'animal raisonnable de son cher et exact contemporain Descartes, animal, la sensibilité, raisonnable, la raison technique, si donc elle avait été soumise à ce dualisme de l'animal raisonnable, jamais les Ursulines ne seraient restées en Nouvelle-France nous ne serions pas là pour en parler. Il faut, dit-elle à son fils, il faut que la vertu, entendez la vertu théologale, qu'elle soit charité, foi ou espérance, qui sont toutes unies en définitive dans la charité, il faut que la vertu, dit-elle à son fils, dépasse la raison, ou dans les affaires qui ne sont pas seulement temporelles, a fortiori lorsqu'elles engagent, engagent un appel déjà confirmé en Église. Ce fut le cas après l'incendie. Mais alors, ce qui est folie au regard du simple bon sens est en fait, pour la qu'elle est, raisonnable au regard d'une autre rationalité, plus fondamentale, qui est une rationalité. Le discernement de la volonté de Dieu, c'est du non négociable et il y a du non négociable chez Marie. Peut-être n'est-ce pas le moindre des cadeaux que nous fait cette maîtresse de spiritualité et cette femme forte, selon le, le terme du père Dablon. Donc peut-être, peut-être n'est-ce pas le moindre de ces cadeaux que de nous montrer in vivo que, à vouloir associer trop fortement raison et universalité, on risque, à, on risque de passer à côté d'une universalité d'une autre envergure, non fondée dans la raison technicienne. Mais enraciné existentiellement et substantiellement dans un cœur qui ne nie pas l'autre raison, mais qui l'intègre audacieusement. Pour les amis de Marie de l'Incarnation, sa canonisation a mis l'accent officiellement sur l'universalité de Marie, du moins une universalité catholique. Dans les titres associés à la béatification et à la canonisation, L'Église ne la présente pas comme une statue à vénérer de loin, encore moins comme une auréole à faire reluire, mais davantage comme une mère ou une grande sœur qui sait interpeller ses familiers. Et toi, leur dit-elle, que fais-tu de tes impossibles Que fais-tu de tes limites Que fais-tu de tes désirs récurrents et profonds que fais-tu de tes fringales secrètes de perfection, d'amour et de bonheur C'est bien en cela qu'elle rejoint l'homme universel et jouit d'une actualité intempestive. À sa sœur, ses neveux, ses amis, son fils et même à son évêque, aucune recette à donner, aucune plainte ou complainte dans des interpellations qui pourtant sont prophétiques. Pourquoi prophétiques Parce que jaillit de ce cœur habité. Elles sont, in fine, plus raisonnables que celles de la raison mesureuse et cal calculatrice, encore plus de la raison économique. Elles sont d'abord, qui pourtant, ces raisons-là, ont d'abord génialement échafaudé en faisant taire les appels du cœur ou en les ignorant. Pour le sémi, le temps était venu de donner sa place à cette universalité multiforme et d'une certaine manière de délivrer ce cœur, comme on délivre un message universel que nous n'aurions pas écrit, mais que nous nous apprêtons à découvrir dans ces rencontres et à accueillir au risque d'en vivre. Je vais maintenant inviter euh, notre tout jeune, tout nouveau, tout neuf euh, professeur de la faculté et responsable de la chaire Marie de l'Incarnation à compléter euh, ce mot d'introduction. Merci Raymond. Je vais me permettre de rebondir sur ce qui a été dit par quelques réflexions supplémentaires sur le thème général du colloque avant de vous en présenter l'articulation concrète. Singularité d'une femme d'abord, d'une femme née à l'aube du XVIIe siècle, à l'aube du grand siècle, marquée au niveau politique par les règnes de trois grands rois, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, le roi Soleil, marquée aussi par Marie de Médicis, par le cardinal de Richelieu, par le cardinal Mazarin et par Colbert, pour n'en nommer que quelques-uns. Ce grand siècle, marqué au niveau littéraire par Jean de La Fontaine, par Molière, par Madame de Sévigné, par Racine et par bien d'autres. Ce grand siècle encore, marqué par des philosophes et des scientifiques de génie, Descartes et Pascal, pour ne nommer que. Le XVIIe siècle, c'est aussi Le Caravage, Rubens, Delatour, Poussin. Le Bernin, De Champagne, Rembrandt, sans oublier Lully, Charpentier, Pachelbel. Mais n'oublions pas que le XVIIe siècle, c'est aussi Vincent de Paul, Bossuet, Pierre de Bérulle et Marie de l'Incarnation. Singularité d'une femme, donc, d'une femme du XVIIe siècle. Singularité aussi d'une femme marquée par d'impressionnantes expériences spirituelles et mystiques dès sa prime enfance. Singularité d'une ascète, mais aussi d'une femme mariée contre son gré, veuve, mère d'un enfant qu'elle sera contrainte d'abandonner. Singularité d'une femme d'affaires efficace et d'une fondatrice audacieuse. Singularité d'une femme d'affaires, euh, singularité, pardon, d'une religieuse cloîtrée exemplaire dans l'observance des règles de son ordre, d'une mystique que l'un de ses directeurs spirituels, le père Jérôme Lallemand, appela la Thérèse du Canada. Singularité donc d'une femme passionnée, exceptionnelle, unique, inimitable, mais universelle malgré tout. Universelle dans ses ambitions apostoliques. L'esprit du Christ, écrivit-elle, me portait en esprit dans les Indes, au Japon, dans l'Amérique, dans l'Orient, dans l'Occident, dans les parties du Canada et dans les Hurons, et dans toute la terre habitable où il y avait des âmes raisonnables que je voyais tout appartenir à Jésus-Christ. Universel aussi par son rayonnement intergénérationnel, à la fois humanitaire, intellectuel, éducatif et pédagogique apostolique, religieux, théologique et mystique. Le rayonnement universel de cette femme inspire encore aujourd'hui des historiens et des théologiens, des philosophes et des littéraires, comme en témoigne notre colloque qui s'ouvre aujourd'hui. Universalité paradoxale d'une femme cloîtrée, universalité d'une femme forte, au sens où l'entend l'écriture dans les proverbes que je cite, qui peut trouver une femme forte Elle a bien plus de prix que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les profits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle recherche de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Cette citation me semble bien caractériser la vie apostolique de Marie de l'Incarnation, elle qui a tout donné pour le cœur de son mari, le Christ dont elle était l'épouse, car Marie, c'est aussi une femme de cœur, d'un cœur éperdument amoureux de son époux mystique, d'un cœur dont l'amour pour son Dieu déborde surabondamment dans son amour profond des âmes, elle qui ira jusqu'à demander à Dieu de l'envoyer en enfer jusqu'au jour du jugement, en échange de la conversion des âmes qui se perdent dans la vastitude du monde. Le cœur de Marie, c'est aussi le cœur d'une mère aimante qui, pour l'amour de Dieu, s'est séparée de son enfant dans des conditions dramatiques et extrêmement douloureuses, comme elle l'écrivit à son fils au soir de sa vie, et je cite cette lettre. Sachez donc encore une fois qu'en me séparant de vous, je me suis fait mourir toute vive, et que l'Esprit de Dieu, qui était inexorable aux tendresses que j'avais pour vous, ne me donnait aucun repos que je n'eusse exécuté le coup. Il a fallu passer par là et lui obéir sans raison, parce qu'il n'en veut point en l'exécution de ses volontés absolues. Ici, nous l'avons, le cœur et la raison, l'opposition du cœur et de la raison dans tout ce qu'ils peuvent avoir de tragique. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, disait Pascal dans ses pensées en voulant indiquer par cette diaphore que la raison n'est pas le seul moyen d'atteindre Dieu. Car c'est bien là le drame qui commence à déchirer et à questionner l'humanité à partir du grand siècle. La foi, il faut bien le dire, est irrationnelle. Croire, comme voulait le signifier Pascal dans la précédente citation, est un acte qui ne passe pas par la raison, mais par le cœur. Car, en effet, il y a deux moyens d'appréhender la vérité selon Pascal, le cœur et la raison. Le cœur, pour Pascal, c'est la faculté qui nous fait connaître par une intuition immédiate. Quant à la raison, elle ne fait que conclure à partir des principes euh, premiers, principes qui sont directement communiqués par le cœur. Dans la logique de Pascal, le cœur est donc premier et, par conséquent, c'est par lui qu'il faut appréhender les vérités religieuses, mais sans exclure la raison. Et ceci nous ramène directement à Marie de l'Incarnation, car c'est bien ainsi qu'elle a vécu dans le grand siècle de la raison. Elle a cherché Dieu, elle a cherché la vérité au-delà de la raison, mais sans rejeter cette raison qui lui faisait écrire, je cite, qu'il est raisonnable d'acquiescer au mouvement que Dieu donne dans l'intérieur. Ces quelques réflexions nous permettent de mesurer l'ampleur de la tâche que nous allons essayer de réaliser ensemble ces prochains jours en étudiant la singularité et l'universalité d'une femme de cœur et de raison. Cette tâche, nous allons l'accomplir à travers trois grands thèmes. À travers, tout d'abord, celui de Marie de l'Incarnation comme maîtresse de vie spirituelle. C'est ce thème que nous allons aborder dans quelques instants et qui nous occupera toute la journée. Plus précisément, comme vous pouvez le voir sur vos programmes, ce matin, nous allons étudier Marie de l'Incarnation en tant que spirituelle du grand siècle des âmes et de la modernité naissante. Et cet après-midi, nous nous pencherons sur quelques pointes émergentes de la doctrine de vie spirituelle de Marie de l'Incarnation. Pour aborder tous ces points, huit conférenciers vont se succéder. Huit conférenciers qui aborderont tout cela sous l'angle de la théologie, de la philosophie, de la littérature et de la mystique. Et pour prolonger cette journée, nous allons pouvoir profiter ce soir d'une communication sur l'évolution historique des regards sur Marie de l'Incarnation au cours des siècles. Nous allons également pouvoir profiter d'une soirée de lecture et de musique qui, vous le verrez, s'insère parfaitement dans la grande thématique de notre colloque. Demain, nous allons aborder une deuxième grande thématique. Nous allons nous pencher sur Marie de l'Incarnation comme femme d'action et de relation. Et nous allons plus particulièrement approfondir deux thèmes. Tout d'abord, Marie de l'Incarnation et la mission. Et ensuite, Marie de l'Incarnation dans sa relation aux autres. Sept conférenciers, des théologiens, une linguiste et des historiens vont se succéder à la table de présentation pour nous entretenir de sujets riches et variés. Enfin, samedi matin, nous allons avoir la joie d'entendre trois personnes nous entretenir de l'écho que rencontre Marie de l'Incarnation dans les vies et les pratiques d'aujourd'hui. L'angle ici sera un peu différent. En effet, ce ne seront plus des universitaires qui parleront, mais des personnes de terrain des personnes qui entendent encore aujourd'hui la voix de Marie de l'Incarnation et cette voix les inspire dans leur pratique. Vous verrez en définitive que la voix de Marie de l'Incarnation résonne bien au-delà du monde intellectuel. Vous verrez qu'au-delà des recherches euh, savantes et rationnelles du monde universitaire, cette voix touche toujours le cœur des hommes et des femmes d'une manière singulière et universelle. Au nom du comité organisateur du colloque, je remercie d'ores et déjà les, co les conférenciers pour tout le travail qu'ils ont fourni pour nous préparer des communications qui cert seront certainement très instructives. Et je souhaite à tous les participants un bon et fructueux colloque. Euh, je vous invite à partager un message qui nous est arrivé cette nuit. Oui, cette nuit avec le décalage horaire. Euh, J'ai reçu un courriel, euh, un mail, <laughs> du cardinal Gérald Cyprien Lacroix, en, donc euh, provenant de Rome, où il est au synode qui commence. Et euh, simplement, il me demande de, de donner toutes ses salutations à tous les participants au colloque. Je vous souhaite un colloque lumineux et inspirant. J'ai hâte d'entendre les conférences prononcées. Euh, puisqu'elles sont enregistrées. Merci. Voilà.